m'appelle Rémi Staub, je suis en master spécialisé APT, acteur pour la transition énergétique, qui est un master réalisé dans le cadre de l'alliance entre Audencia Business School, l'école centrale de Nantes, l'école d'architecture l'ENSA et l'école de design de Nantes. Concernant mon cursus, je suis ingénieur en mécanique et énergétique de formation, diplôme que j'ai eu en 2013 à Polytech Orléans. Par la suite, j'ai eu 5 ans d'expérience dans l'ingénierie, donc 4 ans comme chef de projet dans l'automobile. Donc d'abord, j'ai travaillé au sein du groupe Renault, 2 ans comme ingénieur développement moteur. Puis je suis parti en VIE au Portugal, où j'ai effectué une mission de 2 ans comme chef de projet industriel. Pour un équipementier automobile Hutchinson. À la suite de quoi, j'ai décidé de retourner en France. Mais avant ça, je suis parti en voyage pendant 4 mois en Amérique du Sud avec ma copine. Et c'est notamment avant ce voyage que j'ai décidé de changer de secteur et d'aller vers la transition énergétique. Pourquoi j'ai rejoint Audencia? Donc c'est d'abord parce que c'est la qualité de la formation. Du master spécialisé APT qui m'a attiré. Et également la réputation de l'établissement Audencia et aussi les autres écoles de l'Alliance qui ont fait que je pensais que cette formation serait une formation de qualité. Ce que j'ai apprécié à Audencia, c'est la variété du programme et du contenu du programme. Donc, en ce qui me concerne sur la transition énergétique, on a vraiment une vision assez globale de tout ce qui touche à la transition énergétique. Donc, qualité du programme et aussi qualité des intervenants, que ce soit les professeurs de Audencia ou les intervenants extérieurs qui ont pu nous faire profiter de leur expérience dans les différentes entreprises. Pour un étudiant qui souhaiterait postuler à Audencia, je lui conseillerais de ne pas hésiter à s'inscrire en fonction des masters qu'il souhaiterait réaliser, parce que ce sont des masters très intéressants qui permettent de se spécialiser dans un domaine. Et toutes ces compétences peuvent être valorisées dans le cadre d'une expérience future.